Non, pour qui ça nous arrive jusque là, m'a plus une petite parenthèse là, après ça peut-être m'a tourner. L'enfine quitté, m'a tourner là là, les sept tribus cananéennes et leur production, les rois et les villes que les rois dirigeaient, yo chaque gain signification yo, production de l'orgueil, production de la crainte, intérêt personnel, égoïsme, intérêt de l'esprit, intérêt de la, les choses naturelles, les gains et tout ça. Maintenant, le Seigneur, li ap mette nan vi nou yon lot signification. Et ça fait l'on joindre le royaume de Dieu ou habiter. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, bon zon nous rive ou demeurer, bon zon nous rive ou habiter. Et bout, ou prend place ou. Non, ça, bon Dieu a fait. Ou pas vaciller encore, ou pas monter, descendre. Et on stable dans le royaume de Dieu. Donc, ça, c'est la Bible, n'a pas cité là. Nous n'avons pas même besoin de ça, en bonne explication. Nous, tout le là. Gon aspect, il est très important. Si vous appelez, bagay ça, vous appelez. Donc, le Seigneur joue une place li. Nan viw ou jwenn plas ou nan royaume nan Christ habite nan ou par l'esprit, bon Dieu habite nan ou par l'esprit. En d'autres termes, le conseil de la divinité habite nan ou. Parole bon Dieu nan ou, l'esprit nan ou. Mais ou même tout nan royaume nan ou jwenn plas. La Bible mandé pour nous demeurer ferme dans le Seigneur, inébranlable. Quel que soit Jean vent souffler, quel que soit j'en situation hier où vous devez demeurer ferme dans le Seigneur. Christ va habiter avant. Moi va avoir tout côté aller. Va avoir dans mitan épreuve. Ou même tout rester avec lui. Pas aller quitter le. Rester là avec le Seigneur. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Donc ça c'est Zabulon. Mon mari habitera avec moi. Quand je lui ai enfanté six fils, elle l'appela du nom de Zabulon. Donc, ça y'a qui dit qu'il y a une importance. Maintenant, nous lisons verset 22. Dieu se souvient de Rachel. Alors, nous ne pouvons pas oublier Dina. Mais il n'y a pas rien pour nous, Dina. Elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina. Il y a une signification, mais nous ne pouvons pas présenter la donne là. Parce que nous avons étudié les patriarches, les aspects du royaume de Dieu, les 12 fils de Jacob. Et soit là, c'est rien doit dire, laissez pas besoin. Laissez pas ça. Mais pas ça lié par bon Dieu. Je dis, il y a des choses qui ont changé. Donc, l'âme n'a pas de sexe. Dans le royaume de Dieu, c'est autant qu'on pratique les principes et ça fait valeur. Songez, Jean te dit, c'est pas, ce n'est ni homme ni femme, ni barbare ni scythe, ni grec, païen ou bien juif. Et c'est là qui fait la volonté de Dieu. C'est là que le Seigneur va honorer. Donc, on travaille sur ça. Nous allons comprendre l'autre bagarre là. Verset 22, Dieu se souvint de Rachel et l'exauça. La rendit féconde. Et la rendit féconde en finale. Elle devint enceinte. Elle devint enceinte. Et enfanta un fils. Et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph. Elle lui donna le nom de Joseph. En disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Il pas bail le nom de Joseph, mais il y a une signification, même si nous ne pas rentrer là dans le gounier là. Nous connaissons l'histoire Joseph là très bien, et frère Lyoté Vanni, au marchand Ismaélite. Et là, il est en Égypte. Lui-même, il vient de l'autre histoire qui vient faire nous comprendre certaines autres choses. Donc, on a dans le chapitre 41 hein, pour nous comprendre qui s'est arrivé. Donc, au lieu Joseph. Gagnon tribu. Non, non, ça fait l'or, la Bible parle la tribu de Joseph. Mais il était venu gagner
Sous songez bien. Deux enfants, et qui te gagné, qui te porté deux noms, ça y est, te gagné deux significations aussi. Ça, tout, c'est aspect du royaume de Dieu. Ésaïe 41, on nous lit. Verset 44. Genèse 41, excusez-moi. Genèse 41. Il dit encore à Joseph. Je suis Pharaon, c'est Pharaon là qui a parlé. Et sans toi, personne ne lèvera la main. Ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Ça, c'est autorité que Pharaon bat à Joseph. Pharaon appela Joseph du nom de Saphnath-Panéach. Et il lui donna pour femme Asnath. Fille de Potiphéra. Prête donc. Oui. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans. Lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Pas oublier que Joseph prend une femme égyptienne. Il prend une femme païenne qui n'est pas juive. Et Kounia, il prend deux petites. Et c'est très important. Joseph, son type de Jésus, il est là. Nous sommes bien contents que ça a un aspect, ça a une phase dans le royaume. Non. Verset 47. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Oui. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Verset 50. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils. Lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra. Prête donc. Oui. 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Combien de monde que le Seigneur te permet d'oublier toute traque passée, lui? Toute peine, lui? Toute saleté passée avant? Gloire à Dieu. Ça a son phase ou bien un aspect qui te fasse là. Aspect de le royaume de Dieu. Lorsqu'on le royaume de Dieu, il faut oublier mauvais souvenirs. On ne peut pas songer où tu es venu au monde, il t'est passé, il t'est fort du mal, il t'est raillé, il t'est battu. Il t'est fort du mal, il t'est là, il t'est trou. Il t'est vendu, il t'est esclave et vous qu'embez ça contre lui. Il faut oublier tout. Il faut pardonner. Est-ce que vous entendez ça? Fais même Jacques Joseph. Et puis, lors de la production, relève le Manassé. Bon Dieu, il faut oublier la souffrance passée, ou pas vrai? Relève le Manassé. Assez, Youn. On va continuer. Il donna au second le nom d'Ephraïm. Ah, dit-il. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. J'aime t'expliquer Ephraïm déjà. Il y a une grande signification que ça veut dire. Lorsqu'il est dans la phase où il y a une production que l'Ephraïm. Moi, j'aime ça. Et apprendre le son ça. Pas oublier le tracas de gagner dans le passé ou pardonner. Le Seigneur va rendre nous fertiles, féconds, productifs. Dans mes affliction, yo. Dans mes égyptien, yo, le Seigneur va lever. Parce que bon Dieu va avec. Un vrai juif comme ça. Il apprend le principe parce que Joseph était élevé par son père Jacob. Il apprend ni les lois de Dieu que Abraham a enseigné. Par Isaac. Il levait, il apprenait, il descendait en Égypte, il n'a pas fait même genre avec lui. Il a truqué, il n'a pas truqué tout. Il a eu miséricorde, c'est ça qu'il a appris.
Il y a une justice, c'est ça le déabran. Joseph a un bon standard dans les Égyptiens. Il va gagner l'église. Il va gagner le ministère. Mais il a la foi. All right. Zantraille ou doué comme ça dans l'église. Le recevant semence de la vérité. Quelle que soit la circonstance ou traversée, quelle que soit la zone ou rivée, quelle que soit la situation, il faut produire mon Dieu. C'est seulement ça recevoir. Il y a un monde qui produit bon bagage dans la bonne saison, il n'y a pas produit rien dans la mauvaise saison. Maman aime se convertir. Ça a son aspect dans le royaume de Dieu. Ephraïm, croissance dans le pays des afflictions. Pas oublier de mettre Joseph dans la prison. Regardez un documentaire, yo bat Joseph. Yo te calé dans pile. Bagain la Bible on pouvait ça mais histoire raconter. Yo pas traité le trop bien. Il était là en bas, mais dans mi temps prison, il prouvait. Est-ce que ça va pas belle pendant notre accord, bon Dieu pas quitter. Et mais ça qui grand avec Joseph. Pendant l'en bas. On relait ça de donjon. Pendant l'en bas. C'est lui-même qui prend une solution pour le premier citoyen de la nation. Pharaon. Personne moun nan mitan million moun sa yo. Pa ka bay Pharaon réponse liyan. Mais Potifa di m konnen nom li nan prison. Oh, wa vie éternellement m'a cherché le bout. Wa raconte el son wè a la bonne réponse. Oh, ouais. Joseph. Nous songeons comme il était corrompu. Il va dire maman n'a pas papa qui t'a brûlé d'elle. Là ça pour que 5 ministères étaient restaurés ou bien instaurés. Mais il pas voulait tromper patron ni. Il pas voulait découvrir parce qu'elle était apprendre le sens en Égypte. Il ne faut pas découvrir la nudité de son père. C'est ça ça veut dire. Découvrir la nudité de son père, c'est coucher avec la femme de son père. C'est ça élément est fait. Que le spirituel, que le naturel, pas gagne droit pas comme ça. Joseph apprend le son ça, libito couri parce que Potiphar c'est les maîtres lui. Ça c'est le principe bon Dieu lié. Oh, il pas gagne pour souffrir pour bagaille ça dans toute ville. Il a rentré dans prison. Il a frappé, il a passé des temps là, mais bon Dieu pas jamais quitter. Oh oui. Et un jour bon Dieu va ouais, dans mi temps épreuve là. Bon Dieu va servir avec même tentation, même tracas pour le sauver. Mon problème avec un monde qui n'a pas souffert. Ou pas de vision, bon Dieu n'a pas souffert. Ou pas de Ephraïm. Ou pas de Ephraïm dans Timounouyo. Faut produire les 12 fils de Jacob. Yeah, faut produire les 12 aspects du royaume de Dieu. Pour arriver à la perfection. Ablier 12, c'est un chiffre du gouvernement de Dieu. Faut produire perfection, faut produire arrangement, bon Dieu, dans la vie. Quel que soit tracas au passé, si cœur droit va produire, en général, faut que vous solide assez pour traverser tracas, mais vous pas rester stable seulement, non? Ou pas seulement rester dans le royaume, non, mais vous produit. Vous produit, bon Dieu. Vous produit le Seigneur. Les deux demi-tribus de Joseph, Manassé et Ephraïm, en effet, Manassé pas ton petit tribu. Il a gagné deux territoires, une au-delà du Jourdain, et une en Palestine. Gros tribu. Bon Dieu, fait m'oublier affliction par Semio. Misère, te fait m'passer kay papa. Joseph même, son monde, qui passe en pile épreuve. Pas oublier ça. Dieu châtie l'enfant qu'il aime. L'or a traversé en pile épreuve. Mandez qui plan, bon Dieu, gagne pour. Moi-même, dans l'expérience que j'ai gagnée, mon bon Dieu, puis pur Géa, c'est l'île pour le bénir plus. Mon bon Dieu travaille sous l'esprit plus pour le purifier là, pour le retirer scorie, gang, impureté. Il y a un plus gros plan pour lui. Donc, l'on peut souffrir, l'on peut épreuve, l'on peut calamité. Ou pas qu'à camper ferme dans la calamité, ou pas qu'à apprendre rien.
son rap jamier. Yon moun ki pa épreuve, c'est pour le pa bénédiction tout. Ou pa épreuve, pa bénédiction tout. Mbradou li en façon renversé. Yon moun ki pa souffri pour un bagay. Ou a plongé le ba ou kouri pour li. Parce que men ki janlie, so, pri ou pa paye pour un bagay avant, ou a yon ba ou l'ou pral paye après. Parce que en principe, rien ne se donne pour rien. C'est pratique. On va apprendre le principe. Et ça fait qu'un bagage va marcher dans la rue, il n'y a pas prendre. Seulement que ça ne parle pas l'aller. Peut-être laisser avoir un message pour quelqu'un. Il y a un bagage qui va vendre pas acheter là-dedans. Il y a bon pour vous. Il y a un bagage qui va bailler et pas pour vous. Il y a un chambre qui va pour rien. Qui est-ce qui est garé dans le monde ça? Ou ka bay pede bay li bay oh oh yo pale l'Éternel là ngo e bon Dieu bay drôle l'eau bay oxygène li bay la terre et puis il pas besoin rien nan mon les hommes pas Dieu mais là ou a souffri seulement pas souffri comme ou égaré chercher comme plan bon Dieu dans souffrance ou apprendre ça doit apprendre jeter ça doit jeter quitter vie ou purifier mais souffrir avec courage. Yon jour, bon Dieu va bénir. Comment qui apprécie le Seigneur pour saluer vous? Ou te wè, ça ou l'on pense, ou te simple. Ou pas simple comme ça. En nous allons chapitre 29 là. Et en nous prenons peut-être deux lotes avant de finir là. Et puis, nous allons réciter tout à l'heure. Vous réciter. Verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il la rendit féconde. Oui. Tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte. Léa devint enceinte. Et enfanta un fils. Oui. À qui elle donna le nom de Ruben. Le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. L'Éternel a vu mon humiliation. Maintenant mon mari m'aimera. Maintenant mon mari m'aimera. Oui, le Seigneur a l'œil pour arriver pour le tracaou yo. À son aspect dans le royaume, pas jamais penser que le Seigneur pas ouais ou bien pas attendre yo. Certaines fois nous dans affliction nous yo, nous perdu la foi. Mais si vous comprenez un aspect dans le royaume, non c'est ça lié. Bon Dieu ouais. Et me veut qu'on est que bon Dieu remet. Jésus fiancé au remet. Et ouais affliction yo. Il me dit ça comme ça, le Étienne a travaillé dans la vie, ou mette crainte, ou a pressé, pour satisfaire des désir, ou en dehors de principe bon Dieu, oubliez Ruben. Pas fait bagarre comme ça. Songez que bon Dieu, liwe affliction yo, et li va bénir. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne me dis rien là qui en dehors de la parole. Verset 33. Elle devait encore enceinte. Elle devait encore enceinte. Et enfanta un fils. Enfanta un fils. Et elle dit. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Oui. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle lui donna le nom de Siméon. Mais aspect Siméon dans vie nous. Aspect royaume mon Dieu. C'est le yo pas remè ou bien yo pas comprend nous mais on obéit quand même. M'a cité des aspects basiques du royaume de Dieu qu'on besoin. Yo pas comprend nous. Yo pas remè ou mais obéit quand même. Et nous gagne en pile monde comme ça, livré. C'est pour tout le monde ouel, pour tout le monde comprendre ni, pour tout le monde tellement comprendre ni pour lui faire le compliment. Ou pas joindre ça tout en royaume non. Moi je veux connait les personnes pas ouais pri ou pé. Les personnes pas comprendre son a fait. Les personnes pas témoin. Ça a rien pour faire pour bon Dieu. Bon Dieu ouel. Maintenant, pas jamais quitter malheur, ça arrive, ou pour venir dans le royaume, pour
pour obéir pour mon wèl pour yo ka wèl son bon saint ou bien ou coopérer parce que ou ta renmè tout mon wèl ou c'est ou son bien-aimé qui coopérant là ça son chaud obéissance ou bay li pa obéissance tout bon c'est ça que fait c'est ça que fait quelquefois le Seigneur a quitté le comme ça et c'est lui même tout oui la fongeant peuple là pas ouais sous soumettre tout soumettre ça sous conscience ça sous sincère tout sincère ça et pas étonnant quelquefois même ministère tout le Seigneur gien bagarre li pas quitter ouais il gien raison pour ça yo pas bon trop compliment exprès le CFR yo va attendre ça trop et c'est ça que fait ça avec même l'esprit ça même si yon homme de Dieu ou bien yon pasteur ou bien yon ministre de l'évangile li coupe les oreilles ou mais pas comme ça nous dit ba yo ou bien li travaille sous l'esprit ou pas rien pour faire mauvais sens sous lui ou aller ou tourner vin coopérer ou vin prouver obéissance ou ouais non c'est bon royaume les autres trop bien obéir les pas trop bien on fait bruit et pas comme ça lié. C'est une question de principe. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de là, car ils veillent sur vos âmes. Même si on va jamais comprendre, nous, coopérer, était là. Christ pour aller. Ça va arriver que Élie pas comprendre Anne. Élie pas comprendre affliction Anne. Il veut son petit monde, mais Élie dit, mais ça va passer là. Ou est-ce que c'est du vin au bois? Soit fait là, devant l'hôtel là. Est-ce que wap di parole est-ce que wap pede parole en pile li pa répondre avec malé venon dit oh non ta servante des a dit ta servante n'est pas Eve mais elle rend son âme devant Dieu nous gen problème ça tout monde besoin tout monde comprendre yo mais tout monde pas ka comprendre nous ou trompé yo. Vous voyez, tout le monde comprend nous net, j'en ai. L'homme de Gemda prend une leçon ça. Il vient réaliser que tout le monde ne va pas comprendre moins. Il ne va pas travailler pour tout le monde comprendre moins. Il n'est pas bon comme ça. Il faut un pile de monde ne va pas comprendre moins. Et puis, je continue à travailler pour le Seigneur. Si c'est un bon Dieu, je crois tout bon. Et je me dépasse une grosse épreuve. Quelques 10 à 13 ans de cela. Et qui est pour éviter grand bon monde qui yo pas croire on va le cailler des assemblées ici parce que des vieux mourir yo croire assemblée pas le craser même ça crainte prend oui ni monde qui en dans l'église là ni monde qui dehors l'église là ni monde qui aux États-Unis aurait les moins moi contre avec communion c'est ou même qui moi américain nous contre avec nos conventions dit ou même c'est ou même ça qui regardez lui bon m'a dit rien bon il va connaître moi ou vous voulez le comprendre moi pendant le web n'a pour tout comprendre moi il va pas tout comprendre moi il va connaître moi d'autant plus que les mal dans réunion mon petit genre derrière m'a pressé vers le devant qui a mon petit profil bas c'était le sérieux avec moi il y a un autre pasteur qui dit mes souliers à long dans pied la pied là pour le grand en pile avant le plein soulier ça. Et puis il va dire la veine, non, il dit sous chair. Non, grande convention, il dit, wow, I have to feel that shoes. It's a long shoes, and for him. M'chita de ya, de coup. Tout le monde était avec le même aspect, ça. On l'a tourné dans l'autre réunion, dans la même place, il dit, oh, moi, et puis il a grandi dans le sous l'air. Tout le monde comprend nous, tout le monde ne peut pas comprendre nous. Bon là pour le Seigneur qui t'a pour personne pas comprendre nous. Maman on pas comprendre nous, papa on pas comprendre nous, frère on pas comprendre nous. Sœur on pas comprendre nous, bon puis mal mari on pas comprendre nous, puis mal madame pas comprendre, puis mal monde qui dans cala papa personne pas comprendre nous. Ayez foi en Dieu. Et puis là ça pas pour faire mal élever, faire mauvais sang, crier pour monde qui comprendre mettre à genoux, non bah et timon. Parce que le dire les ça timonerie. Ah, ça va marcher.
Gen moun pou ka comprendre, il a fait tout ça, il doit faire pour ka seulement comprendre. Ou pas besoin tout bagay sa yo. Prouvez-o. Qu'est-ce que dit pour faire? Prouvez. Rete nan royaume nan fidèle. Sa k vle wò, va wò, sa k pa vle wò, yo pa pou. Ou bien sa k pa ka wò, pa pou. Et m'ap dit l'autre parole. Gen moun jusqu'à ce qu'on atteigne perfection, pa jam ni wò ni comprendre. Ça va fin. Ça va fin. Ça va fin. M'ba vle pour m'a fait toute bagaille ça pour un monde prend plaisir dans ça m'a fait. M'da font parti politique plutôt. M'di nous ça ici, m'ba vle nous yon. Di vive Lionel ici. M'ba vle. M'ba fanyen pour. Même soir on m'a servi pas pour m'a fait. Quand ça sort et m'a fait là, me servir mais pas pour lié. C'est pour mais pas pour. C'est pas bénédiction m'a cherché. Ni parole. Et ça fait des pour commencer dire trop merci ou commencer nuire l'esprit. Et pas pour lié. Même pas veut le faire mal ouais. C'est lui qui employé. C'est lui qui met moi. C'est lui qui sauve moi, c'est lui qui relève notre travail ça. C'est lui qui mettait là. C'est lui qui voulait avant. Oh, combien de monde qui mal ouais, pas besoin de connait. Pas besoin dit plus mais ou pas besoin ni faire trop baga pour moun mal ou. Y a moun a seulement gardo sans va la vo. Ou pou ko jom moun sa li gardo et puis li pas intéressé dans moun ouye a. Bon a chete tout pour ça. Bon pa jom corriger ça non. Pa jom corriger ça. Mais on va obéir quand même dans le royaume de Dieu. Amen. Yon jou. Le Seigneur va ouer. Et gen yon jou pour le Seigneur même ba ministère en vision sou. Le mte tap grandi dans royaume ici, mte toujours dans l'assemblée ici a. Nous on jou y a fait une réunion pour rete fidèle dans le royaume là. Y a fait une réunion avec les comités non l'école qui était là, peut-être en pile on dit pas de l'école ça, mais était l'école là, dans place ça là, j'étais commencé dans pointe là, fait tout long direction était exactement côté mi là. Et puis pasteur Livier était non on dimanche après-midi, il a fait réunion pour la convention. Et puis me paraît dans fenêtre là, on t'a ramené dans réunion tout. Il dit réunion ça va pour non. Oh, ça m'a donné comment me sentir, on réunion on t'a là dedans. On t'a lavé pied. On t'a servi, me senti me comprendre bagaille yo. Yo dit réunion ça va pour m'aller. Moi quoi deux ou trois années moi ba faire réunion. Après quelques années yo dit mon faire réunion avec moun sa yo, mettez moun dans comité ça, prend soin ça. Deux ou trois années encore yo parti yo di organiser convention. Yo un jour pour le Seigneur fait. Pas lever tête tout qui te bon Dieu fait. Pas lever tête tout et non bon Dieu. Et aspect ça très important. Toujours tiens à ce qu'on obéissant, même le pas comprendre. Répétez pour nous. Même si personne ne va comprendre nous, mais obéissant quand même. Un jour, bon Dieu va lever. Sourire de fidèle. Est-ce qu'on l'a? Vous avez fait réaction ni fait ou well. Vous avez fait ou well. Vous avez fait rien pour vous. Rete fidèle. Il y a un jour où Dieu va lever dans le royaume. Ça, c'est l'aspect royaume bon Dieu. Les gens qui sont dans le royaume bon Dieu ont besoin d'appliquer le principe. Maintenant, comment tu petit ça a été lui-même le fait? Si, mais, ok. Elle donna encore, elle devint encore enceinte. Et enfanta un fils. Et elle dit. Oui. Pour cette fois. Mon mari s'attachera à moi. Car je lui ai enfanté trois fils. Oui. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Ça c'est vos ministères. Allez vos ministères. Choisis Lévi. Le Seigneur attaché à l'église li, ministère li. Ou capable bâtir royaume ni. Il faut nous accepter le comme ça. Et ça fait le choisir Lévi comme si là qui va porter non ni qui va gagner responsabilité sacerdotale ministérielle dans le royaume.
Lévi ou pas de bal, li pas de territoire li même. Ou avez une tribu de Lévi, ou avez un territoire de Lévi. Gen des villes, yo bay, ou lévite. Et yo bay yo, des arrangements, mais bien bon Dieu, c'est bien pa yo. Vous avez ministère, besoin de comprendre ça. L'on étudie aspect ça, mais ça son aspect lié tout. Et l'on comprend bagay ça, yo wa ouais comment on va béni. Mais mon deuxième, si passe ma fait avec ou là ma fait. Mais il n'y a pas son petit examen avant. On nous recommencer dans notre vie, Vous n'êtes où pour lui pour moi? Comment vous pouvez étudier ou mettre utiliser carrière? Guidez-moi à comprendre. Qui première tribune te nous t'ai étudié dans Genèse 30 là. Dan. Ça donne vie. Justice. Jugement. Donc faut gagner jugement dans le royaume non, faut gagner jugement qui fait avec justice. Son aspect dans le royaume bon Dieu. Deuxièmement, Nephtali. Comment? Faut lutter pour gagner. Faut vainqueur. C'est la Bible n'a pas cité. J'ai bon l'autre livre. Troisièmement, satisfie. Bonheur, la joie. Réjouir. Ensuite, ce combien est là? 4. Judas, louange. Louange au Seigneur. 5e, Azer. Être heureux dans le royaume de Dieu. Ensuite, Issachar. Prie. Ok, bon Dieu, une récompense fou. On continue. Zabulon, mon mari habitera avec moi. D'après verset 20 là. Demeurez, habitez avec. Seulement, et bon Dieu a demeuré dans le cœur, mais moi a demeuré avec tout. Stabilité dans le royaume de Dieu, faut stable. Qui est-ce encore? Manassé et Ephraïm, les deux demi-tribus de Joseph. Qui ça Manassé signifie encore? Dieu m'a fait oublier toutes mes peines, mes souffrances d'autrefois. M'oubliez-vous, m'pardonnez-vous. Ephraïm, Dieu m'a fait grandir, produire dans le pays de mon affliction, de mes afflictions, souvenez-vous. Laissez-y aider. Ensuite, Ruben. Oui, c'est vrai. Même si je vais humilier, même va arrêter là. Même si vous ne comprenez pas. Ensuite, qui est-ce encore? Siméon. Obéissance. Dans l'incompréhension. Et au power. Y a pas fort compliment. Y a pas aimé ou y a pas évalué. Mais on était là quand même. Est-ce que n'a pas prendre peuple bon Dieu? On était là quand même. Qui ça veut dire après ça? Lévi. Oui. Étant donné que nous n'avons pas grand pile de temps, je vais vous donner une explication, je vais vous faire une correspondance pour vous, après ça, je vais vous fini. Je vais vous faire nous lire deux ou trois versets pour vous expliquer nous quelques choses rapides. Il est voilé. Je vais vous fini. Mais je vais faire le coup. Nous ne pouvons pas parler en pile, nous avons cité les tribus cananéennes. Nous avons les tribus d'Israël. Nous avons dit nous,
Terre son seul tellier. Bon Dieu te baili Abraham déjà. Mais une bonne nation investit terre, yo corrompli. C'est ça qui fait qui ça représenter le nous t'es né. Le Adam fait principalement Adam né parfait. Il n'y a pas de corruption dans lui. Nous sommes nés avec les vertus de Dieu. La différence qui est gagnée à Adam et Christ, c'est que Christ est éprouvé, il est devenu parfait. Il reprend la nature, lui, dans bon Dieu. Mais Adam, il est né, mais il n'a pas gagné les expériences du vainqueur. Il n'est pas parfait, c'est vrai, comme et c'est la main de Dieu qui t'a fait lui. Mais il n'a pas les expériences d'un vainqueur. Ça son gros bagage lié. À cause de cela, il est tombé dans la désobéissance. Il vient détériorer. Il tombé dans la corruption. Tout sauf bon Dieu qui t'a dans vilio. À cause de déchéance, il a perdu niveau ça. Eh bien, mais ça qui est important que nous avons besoin de dire, pour qu'on comprenne. Si le Seigneur a retiré, il a demandé nous pour nous courir derrière les tribus cananéennes, c'est parce que livré les 12 tribus d'Israël viennent habiter. Il a besoin tout aspect. Royaume bon Dieu établi encore une fois dans le terrain, dans le territoire là. Dans bon Dieu, nous jouons un travail qui peut se faire. Dans le royaume de Dieu, c'est ça, il faut faire livrer ça avec nous, vous comprenez. Dans le royaume de Dieu, il y a les 7 esprits de Dieu qui doivent régner. Et mais ça, je besoin expliquer, oui. Essayez de comprendre ça parce que ça me saute pas l'air pas trop difficile. Les 7 esprits de Dieu, il va commencer dans vie nous par les 7 vertus, les 7 attitudes. Il va commencer comme ça. Il va arriver à joindre place jusqu'à la perfection dans vie par la croissance. Il va commencer en grain coup. Pas oublier de dire que c'est un bagage qui va remplacer un autre bagage. Qui t'aime l'Apocalypse chapitre 1er. Non, mais nous aidons là parce que je ne vais pas prêter trop. Verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous, la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. Et à la persévérance en Jésus. Tenez bien, oui. À la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos. Oui. À cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu. Et du témoignage de Jésus. Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte. Comme le son d'une trompette. Comme le son d'une trompette. Il disait. Ce que tu vois, écris-le. Côté ma là. Apocalypse 1er, à partir du verset 9. Continuez. Ce que tu vois. Ce que tu vois. Écris-le dans un livre. Et envoie-le aux 7 églises à Éphèse. Aux 7 églises à Éphèse. À Smyrne. À Smyrne. À Pergame. À Pergame. À Thyatire. À Thyatire. À Sardes. À Sardes. À Philadelphie. À Philadelphie. Et à la Odyssée. Et à la Odyssée. Les 7 églises. Maintenant, les 7 églises représentaient les 7 âges, les 7 aspects. Et depuis l'église primitive. Jusqu'à l'heure par nous. Mais dans Jean décrit lui, et on a joué tout aspect à travers le Moyen-Âge. Mais, il y a une certaine compréhension que nous avons besoin de garder. Continuez à lire pour eux. Verset 12. Oui. Je me retournais pour connaître quelle est la voix, quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers,
quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. L'église a été existée en Asie. C'était les sept églises de l'Asie. Mais non, yo, Antipe, pour le représenter, et toutes 2000 ans pendant cet âge. Mais ça qui est important, toute l'église a été représentée, l'église primitive. Il a été fait partie de l'église primitive. En Asie, les païens qui étaient recevoir le message de Jésus-Christ ou la doctrine de Jésus-Christ qui grandit là-dedans et qui développait. Maintenant, la Bible dit qu'il a été représenté par les sept chandeliers d'or. Mais ça qui est important, il dit, il y a un monde qui est dans le temps. Au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'or. Vêtu d'une longue robe. Vêtu d'une longue robe. Et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme comme de la laine blanche. Comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Tout ça a une signification, mais nous ne pouvons pas être sur le coudier là. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë. À deux tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Monsa, c'était Jésus. Ça veut dire que Jésus était dans l'église primitive. Sept étoiles là, c'était les sept églises. Sept chandeliers d'or. Continuez pour voir qui ça dit là. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Oui. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. J'ai été ressuscité. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort. Et du séjour des morts. Qui est ça? Écris donc les choses que tu as vues. Et celles qui sont. Et celles qui doivent arriver après elles. Oui. Le mystère des sept étoiles. Que tu as vu dans ma main droite. Et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises. Oui. Et les sept chandeliers sont les sept églises. C'est dans sept églises. Vous avez sept étoiles qui brillent dans sept églises. Sept ministres de l'évangile. Dans sept chandeliers d'or. Ou sept églises. Mais ce n'est pas ça seulement. On nous lit chapitre 3, verset 1er. Écrit à l'un de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu. Et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Oui. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ça, c'est l'église de Sardes. Sois vigilant, église de Sardes. Et affermis le reste qui est prêt de mourir. Pas oublier ça. Celui qui a les sept esprits de Dieu. Et les sept étoiles. Ne pas remplir le temps pour nous lire. Allons chapitre 4 là. Chapitre 4 là, montrez l'aspect de l'épouse de Jésus-Christ. Mais son activité commençait dans l'église restaurée. Pour Yola, elle a commencé depuis dans l'église primitive. Dans l'église arrière saison en tout, il va commencer dans l'église restaurée. Moun kap comprendre. Et moun kap apprendre. Mais, t'es gagné présence des chandeliers d'or, mais t'es gagné présence sous les sept esprits de Dieu. Mais ça a besoin fort comprendre là. Lors l'église a restauré, l'église ça a besoin qu'elle la donne en restauration les sept esprits de Dieu dans la vie d'un peuple et d'un ministère. Il est dans la vie Christ. Et vous pouvez voir pour quelle raison il est important pour comprendre ça. Parce que l'Ika difficile pour vainqueur sous les sept tribus cananéennes dans la ville, sous pas qu'à faire relation des sept esprits de Dieu dans l'église. Parce que c'est une qui pour remplacer l'autre. Quand vous avez posé une question, ça, qui est pour me vainqueur?
On nous prend bibliquement qu'on y a qui Jean pour vainqueur. On nous aller. Et reta avec pour faire correspondance là parce que moi pas son petit côté là qui ont Jean fragile. Autour du trône verset 4. Je vis 24 trônes. Je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards. 24 vieillards. Assis. Revêtus des vêtements blancs. De vêtements blancs. Et sur leur tête des couronnes d'or. Couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs. Des éclairs. Des voix et des tonnerres. Des voix et des tonnerres. Devant le trône. Maintenant, devant le trône. Brûlent 7 lampes ardentes. Brûlent 7 lampes ardentes. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Gloire à Dieu! Il y a 7 lampes ardentes qui ont brûlé devant le trône de Dieu. Qui représentent les 7 esprits de Dieu. Oh, glory to God. Maintenant, on allait plus loin. Chapitre 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit. L'un des vieillards me dit. Ne pleure point. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Qui est le lion de la tribu de Juda? Qui est le lion de la tribu de Juda? Jésus. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Le rejeton de David. A vaincu pour ouvrir le livre. A vaincu pour ouvrir le livre. Et ses 7 sceaux. Et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône. Verset 6. Et je vis au milieu du trône. Et des 4 êtres vivants. Et des 4 êtres vivants. Au milieu des vieillards. Au milieu des vieillards. Un agneau qui était là comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes. Qui est-ce qui a Yoa? Oh God, on le lion, on le lion. Merci Seigneur. Amen. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes. L'agneau avait 7 cornes. Et 7 yeux. En petit moment, 7 cornes représentaient 7 autorités. Amen. Mais raison fait n'a pas les sous bagages aujourd'hui. Ou besoin les 7 autorités de Dieu dans la vie pour vaincre les 7 puissances adamiques de la chair. Les 7 tribus cananéennes. Vous avez les 7 cornes. T'as oublié, cornes signifie autorité. Les 7 cornes. Ensuite, il dit les 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 yeux. En d'autres termes, les 7 lumières. Les 7 éclairs. Vous avez au présent dans l'église, mais dans la vie. Ils n'ont pas commencé tout fait. Mais il faut que commencer au fur et à mesure. Et c'est eux qui parlent d'autorité. Parce que bon, dit, j'en la chair, montrer le puissant, les enfants d'Anak, j'ai monté bien haut comme ça. Là, ils ont parlé. Ils ont parlé d'un coup lion. La Bible dit le lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Et l'a dévoré. L'orgueil maintenant la ruine, l'orgueil orgueil planté dans la vie, il faut en s'entourer. C'est la surestimation de la personne. Ou s'entourer bien haut, ou mettez tête ou pire haut que j'en y a. Non seulement ça, on s'entourer l'autre monde par camarade. Son géant lié. Sous pas une autorité de Dieu en correspondance à géant ça, ou tout là. Mais que le Seigneur vous soit en aide. Dans la vie, vous avez besoin les 7 éclairs. Vous avez besoin les 7 cornes. Vous avez besoin les 7 lumières. Vous avez besoin les 7 yeux. Vous avez besoin les 7 esprits de Dieu. On va dire un bagage. 7 esprits de Dieu, vous devez commencer dans la vie. Même si ou beaucoup gagnent la perfection, mais faut que commencer. Ça fait, faut gagner une attitude. Et faut gagner aussi yo qui pral détruire les 7 tribus cananéennes. Ils avaient parole qui te font dire jonction pour là. Parole que ministère bon Dieu a pensé aujourd'hui. Vérité que a bien planté dans le cœur. C'est trésor la vie où y est. Ou après ça, la parole de Dieu est installée dans le cœur, elle veut une conviction vie, sous sérieux la donne. Il établit la bonne volonté. La bonne volonté, ça établit. C'est même avec Joseph. Joseph connaît qu'il n'y a pas qu'à faire.
Parce que les ancêtres, les patriarches, ont enseigné ça, le pas de faire et ça, le doit faire. Le bagage s'est installé dans la vie. Ou bien conviction que marche avec, ou bien courage pour ne pas nier ça, ils ont enseigné. Ils ont laissé ça un monde qui est fidèle. Yeah. Glory. Le bagage s'est installé dans la vie, ou à Kembel. Même si difficile, ou à Kembel. Et vous avez été obéissant dans le royaume de Dieu. Et vous avez été obéissant dans le royaume de Dieu. Maintenant, nous citer. Nous citer les sept esprits de Dieu dans Esaïe 11. Je vais lire ça et puis je vais faire une correspondance pour vous. Il y a un petit moment. L'esprit de l'éternel. Côté l'éternel. L'esprit de l'éternel reposera sur lui. L'esprit de l'éternel reposera sur lui. Tenez-moi. L'esprit de l'éternel, c'est lui-même qui tige principal là. Tout l'autre bagaille ou tout l'autre esprit va sortir de l'esprit de l'éternel. Et ma bonne révélation, alors qu'on s'en ouvre à l'île, si nous guettons, même Jean, ouais, l'esprit cananéen, c'est lui qui influence toute l'autre tribu. C'est ça qui fait les sept tribus cananéennes, même quand tu as chacun nous, yo. L'esprit de Dieu, c'est lui-même qui produit les six autres esprits. Même Jean, c'est dans le territoire de Canaan que toute l'autre tribu, les six tribus habitaient. Eh bien, c'est dans l'esprit de Dieu, toute l'autre sept vertus, les six autres vertus, va développer tout. Correspondance. En avance, il est mis à Goumen, côté de Zambam. Maintenant, nous citons. Après l'esprit de l'éternel, qui ça le dit? Esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Et d'intelligence. Et d'inter. Et d'intelligence. Esprit de conseil. L'esprit de conseil. Et de force. Et de force. Esprit de connaissance. L'esprit de connaissance. Connaissance. Et de crainte de l'éternel. Et de crainte de l'éternel. Ça fait 7. Maintenant, nous allons faire une correspondance là. Allons citer les sept tribus cananéennes de Kounia. En avant. Les Hétiens. Hétiens. Les Amor. Girgaziens. Les Amoréens. Amoréens. Cananéens. Les Phéréziens. Phéréziens. Les Éviens. Jébusiens. Les Éviens. Phéréziens. Maintenant, nous allons prendre un ordre parce que nous allons prendre leur signification. Maintenant, chaque bagaille ou bien chaque nature déprave au gagné. Gayon vertu de l'esprit qui pour aller à l'encontre de lui. Bataille très technique. Qui de me répéter ça à vous? Chaque l'esprit dépravé au gagné. Chaque nature d'une tribu cananéenne qu'au gagné ou nature adamique qu'au gagné dans vie, faut ou gagné un con qui pour aller lutter contre lui. Est-ce que ça a fait sens pour vous? Il va aller vous dormir là, non? Je vais faire une correspondance. Les Cananéens prennent car là dans le monde. Qui sont besoin contre lui? L'esprit de l'éternel. L'esprit de l'éternel. Mais quand il me dit qu'il est fragile, vous ne pouvez pas perdre. On a dit. Qui est la tribu dit encore? On prend non Cananéens. Qui est-ce qui dit encore? Étienne représentait les craintes charnelles. En face de la crainte charnelle, ou besoin de la crainte de l'éternel. Oui. Pas pour son nation. Moi dis en face de la crainte charnelle qui sont besoin la crainte de l'éternel. Les ignorants sont mélangés avec tes émotions, leur peur pour toute bagaille, la presse courir forfait. La crainte de Dieu, qui c'est le respect pour Dieu, respect pour la parole de Dieu, c'est l'ikembeo. C'est le fait de comprendre. Qui t'aime camper, me font prier pour vous. C'est le fait de comprendre. Puis vous avez sauvé. Qui ça me dit qu'en face, Hétien? Parce que Hétien, c'est la crainte char. Qui soit en face, lui? La crainte de l'éternel. Mettez correspondance. Correspondance très bon, très important.
Parce que faut que les sept cornes, ou les sept autorités, cette compréhension de la parole de Dieu qui pourrait de lutter contre les sept tribus cananéennes ou les sept natures dépravées de la chair en soi. Si vous comprenez ça, vous allez finir là. Si vous comprenez ça, vous allez finir là. 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 Gilgazien. Pour lutter contre Gilgazien, il faut gagner l'esprit de force. Parce que Gilgazien lui-même, il a un esprit chauffé. L'esprit dérape sous, pas qu'il y ait contrôle sous lui. Ou dérape pour faire n'importe qui ça, pour dire n'importe qui ça. Le ça, il faut gagner assez de force de Dieu. Il faut gagner courage pour freiner l'ennemi. Qui sont en face, Gilgazien? L'esprit de force. C'est des cas de contrôle. Contrôle sous pensée. Contrôle sous bouche. Contrôle sous nature. Contrôle sous action. Il y a un cas de contrôle. Lorsqu'il y a la force de Dieu dans la vie, il y a de contrôler la vie. L'esprit de force. En allez. Amour. Amoréen. En face à Amoréen, on a besoin de l'esprit de connaissance. Mais une explication que marche avec elle. On a besoin de l'esprit de connaissance sur l'humilité. La crainte de Dieu. Vous avez l'esprit de connaissance qui peut aider ou barrer l'ennemi pour humilier. Il faut qu'on ait les secrets de Dieu. Parce que, mais clé qui est dans ça, l'on a humilié son prix à payer. Pour descendre à mourir dans la vie, il faut qu'on ait bougé ça. Oula? Pour descendre à mourir dans la vie, pour pas prendre gloire de mon bagage. Pour pas tirer avantage de un bagage, faut qu'on bouki. Elle avait l'on connaît, mes explications, oui, l'on connaît. Pour qu'il soit humilié, l'évangile bon lumière. Li faut qu'on ait bagage ou prend gloire là-dedans, yo yo vide. Yo pas rien. Ou qu'on est le plus souvent c'est parce que gen bagage ou pas connaît faut faire orgueil sur yo. Amoureux pas amoureux vrai. L'offre qu'on truc lié au qu'on côté lié au qu'on pour qui ça l'a fait toute bagaille ça yo en final ou pas gagner nan rien faut qu'on connaissance pour ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Allons aller. Phérésien, l'esprit de conseil. Maintenant son gros l'esprit lié lui-même tout je sais que l'esprit est lui-même. En face l'esprit phérésien faut qu'on l'esprit de conseil. Red doucement pour qu'on comprendre, l'offre nous a réjoui. Au contraire, il faut aller étudier même pour tourner après. Après, ça va venir l'huile là. Conseil là, c'est dans le royaume que nous joignons par le ministère de Dieu. C'est lui-même qui a fait qu'on est. C'est lui-même qui a soufflé trompette là pour faire qu'on place dans le royaume de Dieu pour venir libre. Même place dans le royaume là. Par étape, pas, mélangez l'esprit. Achetez. C'est vous-même qui a pensé. Mais au bon conseil. Et l'esprit de conseil qui travaille dans la vie. Combien nous rete? Deux. En allez. Jébusien. Tendez-moi. Ça, Jésus bien servi encore, Jébusien. Intellect naturel. Pour combattre l'intellect naturel, il faut que la sagesse de Dieu. Il faut que l'esprit de sagesse. Si vous avez l'esprit de sagesse, je vais parler de la sagesse de Dieu. Ou pas capable de combattre l'intellect naturel. Lorsque la sagesse de Dieu que nous avons tué dernièrement, tout son a fait net, libéral naturel. Ou à penser naturel, ou à parler naturel, ou à agir naturel parce qu'on a la sagesse d'en haut. Mais la sagesse qui vient d'en haut, c'est ça, Jacques te dit, pas vrai? Elle est premièrement pure. Ensuite,
modéré, pacifique, désintéressé, exempt de duplicité. Et la sagesse de Dieu, rempli de miséricorde. Lorsqu'on ne fait les choses, on va faire les choses d'après principe pour apprendre dans le Seigneur. On nous prend septième. Eh bien, qui représente qui ça? Imagination. Lorsque l'imagination a travail, elle gagne le vin la donne. Imagination naturelle, ou à chercher route naturelle pour vous. Ou après soit justifier vivre. Ou après soit chercher moyen pour sortir, pour entrer. Ça c'est imagination, ça c'est revient. Il y a un saint esprit de Dieu qui détruit. C'est l'esprit d'intelligence. Si vous avez l'esprit d'intelligence, l'intelligence de Dieu, le discernement de Dieu, tout ça pensée net pour prendre. Laisse pas un jugement. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ou besoin, y a l'esprit qui sortit de Dieu, qui bâtit dans vie, y a autorité ou y a corne, qui fait ouais comme y a lumière, qui bon, y a aspect des choses pour qu'on ait qui gens pour traiter. Vieux l'esprit ça, vieux l'esprit cananéen dans vie ou là. Est-ce qu'on prend vous? On va recommencer. Bon, je vais camper là, je veux dire. Mais on va recommencer. On va tirer citation. Cana. Qui ça qui a combattu cananéen? L'Esprit de l'Éternel ou le baptême du Saint-Esprit. Glory. L'Esprit de Dieu. C'est ça qui fait l'intérêt, les remplis vie ou livre aux mes yeux sous le monde. Livre le web bagay yo jan yo paraît là. Si on fixe sur les choses naturelles ou bien sur les choses charnelles de ce monde, ou besoin de faire transfert en esprit. De vous avoir toi naturel ou prendre bagay yo naturel, commencez à adorer mon Dieu, commencez à prier en esprit pour le Seigneur, bon yon picus spirituel pour l'autorité mon Dieu installée dans vie pour transférer en esprit. De vous traverser en esprit vision changée. Dans le nom de Jésus. Deuxième tribu cananéenne. Hétien, les craintes tout soulevées. Ou peur toute bagaille. Toute cette crainte surmontée. Et pour toute phobie où vous commencez à envahir. Invasion des choses de ce monde. Et pour pas qu'on côté pour faire regarder à droite, regarder à gauche. Le ça a besoin de veiller les principes de Dieu. Il faut gagner la crainte de l'air. Merci Seigneur. Troisièmement, qui est gazien? Les petits laissent pour chauffer ou envie agir ou ta. Et puis l'esprit de Dieu, il faut qu'on va guider ou pas. Ou envie dit, ou envie faire, ou envie font dégâts. Ou envie satisfaire l'esprit ou envie satisfaire nature. Qui gazien dit on allait pour qui peut nous chauffer au besoin aller. Faut gagner la force de l'Éternel. Qui vous kembe ou. Mettez contrôle dans vie ou. Ou pas faire ça avec l'esprit naturel ou intellect personnel ou pas capable. T'as le droit louer mon Dieu, mais en attendant, levez-moi les, dis merci Seigneur. Oh glorie. Et ça fait l'on chauffer, chauffer. Ou déraper, ou est-il l'esprit, déraper. Ou envie dit, ou envie fait. Ou envie dit, Seigneur, bon contrôle. Seigneur, bon contrôle. Bon l'esprit de force. Contrôlez l'esprit, Seigneur. Pas qu'il te malé. Qu'aimez-moi. Priez pour le Seigneur. Baou. Sobriété. Pour le Seigneur, bon modération. Pour le Seigneur, bon tempérance. Ah, c'est contrôle. On a le vainqueur, non? On prend quatrième. Amour. Glory. Faut le Seigneur bon en pile connaissance. Dans l'humilité pour qu'à combattre
élément où il est amoureux, ça y est. C'est quoi? Tenez bien, si Josué n'a pas de connaissance, si n'a pas de stratégie de guerre, la Bible dit pour le prendre par derrière. Pendant qu'il apparaît comme ça, il prend comme ça lui-même. Ça fait, ouais, les têtes ont fait mettre dans ma voix. Elle a montré aux bagailles très belles. Ou attend des paroles à droite, paroles à gauche, moun vin di ou même des raisonnements pas apparaît. Si pas l'esprit de connaissance pour faire le comprendre, non, c'est pas comme ça, ça y est. Mais ça, la parole de Dieu t'a enseigné. Mais ça, ministère a dédié, ou doué un, pour bal deux coups de corde. Là, la voix. Dans le nom de. L'esprit, vous voulez monter bien haut. Ou sans tout à monter bien haut. Tant que vous avez Christ, vous sous tête temple. Vous avez l'avant sous tête montagne là. Et c'est et même petit esprit ça qu'il faut vous habiller en gens. Parler en gens. Marcher dans la rue en gens. Faire au well. Sous mon petit cop, maman. Faire au orgue cop. Si à droite, à gauche, vous présentez à droite. Montez plus haut pour au well. Jafia. Et c'est bon, connaissez-vous nos petites, mais pas comme ça va aller. Je suis l'éternel des armées. Hors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et puis les bagages, ça remonte comme connaissance. Vous dites, hey, amoréen, fontaine. Et pas ça, vous dites, enseigne. Là, ça, vous équilibrez dans le royaume de Dieu. Vous êtes chita à prendre connaissance. Je vais vous aller mais il faut me dire nous ça. Il faut un équilibre dans ça. Moi, louer bon Dieu pour faveur. Si on a parlé comme ça, nous prenons plaisir dans la parole de Dieu. Même pour qui raison, nous sentons bénis le Seigneur dans nos compréhensions. Pour nous avancer avec elle. Bon, mon cinquième. Phérésien. Il faut avoir le conseil de Dieu pour combattre. J'ai l'esprit ça. C'est l'esprit. L'esprit où vient comprendre son bagaille. L'el mari a qu'à mourir, mais on finit net. Et deux tribus se rejoignent ensemble. Yon roi rencontre avec un autre roi. Au fini net. Maintenant, le Seigneur connaît. Qui est-ce lié? Bonjour, avez-nous. Et vous arrivez jusqu'au bout avec le Seigneur. Maman l'autre. Jébusien. La sagesse de l'intellect naturel ouvre le travail. Et puis la sagesse de Dieu installée. Ou pas qu'à faire les choses d'après Jean Weyoua ou faire d'après ça, bon Dieu dit. La sagesse de Dieu, c'est faire des choses autant marquées à l'heure de la façon. Et Jean bon Dieu m'a dit là. Jean doit faire. L'ovine sage dans le royaume de Dieu, même si c'est difficile, on va kembe. Un bon dernier. Reviens. Imagination. Qui ça calavelle? L'intelligence de l'éternel. Lorsqu'il y a un discernement, mon Dieu, dans la vie, ou il y a intelligence. Qu'on y a un compte qui j'en pour manier imagination. Parce que lorsque vous avez réfléchi, ou pas gain assistance la parole dans vie ou réfléchir sans vouloir. Et puis il semblait sans avoir réfléchi au droite parce qu'on pas gain jugement ou pas gain le discernement. Mais bon Dieu a aidé ou l'el boyon l'esprit de Dieu ou béni. On a besoin sept cornes. Les sept éclairs. Les sept yeux. Les sept autorités de Dieu. Qui sont les sept esprits de Dieu. Sept esprits, ça, ils étaient dans l'église subitive. Ils étaient avec les sept étoiles et les sept chandeliers d'or. En effet, chandelier d'or, là, lui-même, qui était dans le deuxième compartiment tabernacle, là, ou le premier compartiment de la tente d'assignation, il représentait les sept esprits de Dieu. Son étude liée avec les tiges, les grenades, conduit, l'huile qui te la donne. Plateforme, il était tombé sous l'IA. Il était fait de l'or battu. Le Seigneur a érigé cet esprit dans l'église. Ou les sept lumières. Il va briller dans les sept étoiles d'abord. Ensuite, il va projeter dans l'église. De sorte que le peuple de Dieu est capable de recevoir lumière. Ça y est. Que bon Dieu aide aujourd'hui. Que bon Dieu touche.
Que bon Dieu bon, zam pour bataille sous route là. Oh, nous héritons cette nature dépravée, adamique, yo loup. Parce que nous nés avec eux, il va même sembler nous gagner là. Mais lorsque la lumière de Dieu répand sur nous, pour dissiper les ténèbres, il fait commencer à ouais, éteindre nos positions, nos côtés nous yé. Nous bénis. Ça fait nous voulons pour l'Esprit de Dieu, comme une rivière de la vie, limpide comme du cristal, pour le traverser, sortir du trône de Dieu, et puis il descend dans la rivière, dans la rivière, le traverser dans la ville là. La Bible dit, je suis deux bords du fleuve. Il y a des arbres. Les arbres, il y a des feuilles. Les feuilles, il y a des pour la guérison des nations. Dans le royaume, ça. Oui. Les nations vont avoir des feuilles, pieds, bois, ça, et vous manger. Puis vous avez guéri. C'est un bon conseil. Ne vous enivrez pas de vin. C'est là. Soyez au contraire. N'importe qui est-ce qui peut recevoir le baptême du Saint-Esprit. N'importe qui est-ce qui va remplir avec l'Esprit de Dieu. Qui va gagner les vertus de l'Esprit de Dieu. Si m'te ou m'ta cherché. Demandez. Cherchez. Frappez. Sous perdu contact l'Esprit de Dieu dans vie. Parlez-y à garder. De l'Esprit de Dieu, on va joindre les sept vertus de Dieu. Ou les six autres. Et on va ajouter. Lorsque le temple du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit de Dieu demeure dans le cœur, c'est la semence de la vie. Le Saint-Esprit, c'est Dieu même en semence. Il est implanté dans le cœur, il va produire la nature divine. Il va faire produire les enfants. Oh, alléluia! Alléluia! Ça veut dire rentrer l'église. On va venir nourrir un Étienne. On va venir nourrir un Amoréen. On va venir nourrir un Jébusien. On va venir nous en Phérésien. On va venir nous en Guirgazien. On va venir nous en Hévien. C'est pas yo vin nourrir. C'est pas yo vin faire plaisir. Mais on vient l'ouvrir partout. Pour l'Esprit de Dieu entrer. Pour la semence de la vie prendre place. De sorte que les sept vertus de Dieu, la force de Dieu, le conseil de Dieu, l'intelligence de Dieu, la crainte de l'Éternel, la connaissance d'en haut, remplie vive, pour qu'on qui ça vous fait, n'en mit en tribulation, yo. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est en bas puissance le diable. Le monde entier est en bas puissance satanique, diabolique. Mais bon Dieu a délivré le peuple dans le nom de Jésus. Le monde entier prend la ruse du diable. Il n'y a pas l'ouvrir porte encore. Bah, l'Esprit de Dieu. Et ça fait n'importe qui société qui parle l'ouvrir porte par le Saint-Esprit ou par l'Esprit de Dieu, son société condamnée que lié. Pas rien comme espoir que t'es pour lui. Tout ça nous a gagné comme l'espoir dans le monde ça. C'est ça l'Esprit de Dieu a fait dans la vie nous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le temple de Dieu par son Saint-Esprit. Ils appellent Jésus ressuscité. Il soufflait sous disciples. Et puis il dit, recevez le Saint-Esprit. Quand il t'a amené le Seigneur souffler sous vous. Moi, fini pour après-midi. Nous avons un enfant à présenter. Cherchez le menet vini, frère Willem. Oh, mais pendant qu'on a fini. Qui est l'Esprit de Dieu souffler sous vous. Je veux qu'on n'ait pas l'autre espoir. Si vous pouvez faire un job, tiens à ce que. Là, on peut prendre un job, là, on va perdre l'Esprit de Dieu. Si on peut faire un petit cob, là, on peut faire un petit cob, là, tiens, est-ce qu'on peut perdre du contact avec l'Esprit de Dieu? Si on peut aller dans l'autre société, tiens, est-ce que l'autre société va couper contact avec l'Esprit de Dieu? Si on peut apprendre nos métiers, tiens, est-ce que l'autre va exercer métier, là, pendant qu'on va prendre rien, il ne va pas couper contact avec l'Esprit de Dieu. N'importe qui sort, on peut le faire. Tiens à ce que l'Esprit de Dieu doit être vivant dans la vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Levez campé sous pied. Quittez bon Dieu touché. Quittez me chanter quand il y a vous. Fais souffler sous moi.
soufflé sous moi. Quitte.